Mon corps, c'est de la matière, me dit-on. Pourtant, la matière qui me compose aujourd'hui n'était pas là il y a quelques mois. Et dans quelques mois, elle aura disparu en quasi-totalité. De la même façon, ces vagues qui se déroulent sur la plage arrivent du large, se forment, changent, et puis finissent par arriver, par éclater et par s'épuiser. La vague, c'est donc de l'eau, à 100% bien sûr. Mais est-ce que ce n'est que ça? Ou est-ce que la vague, c'est la force qui la maintient, qui maintient l'unité de la vague, qui la fait se dérouler? De la même façon, la question se pose pour mon corps. Est-ce que mon corps, ce n'est que la matière, 100% de matière et que ça? Ou bien est-ce que c'est la force qui le maintient en permanence et qui fait que la matière s'organise autour de lui, fait apparaître un jeune qui grandit, qui bouge, puis un adulte, puis un vieillard qui mourra comme la vague s'épuise sur la plage? Matière ou la force qui la maintient ?